avant qu'on ne soit obligé de faire l'école à la maison, nous travaillions ensemble à l'école sur le ménage. C'est pour ça que Séraphin nous a apporté aujourd'hui plein d'objets pour faire le ménage à la maison. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui, Séraphin ? Un aspirateur, un seau, une serpillière qu'on utilise avec le balai brosse, un balai, une pelle et une balayette, une pelle, une balayette, un produit pour nettoyer les vitres, avec un chiffon, une éponge, une brosse, du produit pour récurer le sol et un autre chiffon, microfibre. Alors, le jeu, Séraphin, c'est je vais vous poser des questions, il va falloir trouver de quel objet je parle. Vous êtes prêts? C'est parti! Je suis un objet qui permet d'aspirer la poussière. Qui suis-je? T'as trouvé, Séraphin? Vous avez trouvé? Je suis l'aspirateur. Une autre question. Je suis deux objets qui servent à ramasser la poussière par terre. Vous avez trouvé? Je suis la pelle et la balayette. Je ramasse la poussière par terre. Bravo! Je suis deux objets qui permettent de récurer le sol. Je suis le balai brosse et la serpillière. Mais n'oubliez pas, pour récurer le sol, il faut aussi le produit à récurer qu'on met dans l'eau, dans le seau, pardon, et on ajoute de l'eau. Je suis l'objet qui permet de nettoyer la table après manger. Je suis l'éponge. Je suis le produit qui permet à nettoyer les vitres. Vous l'avez trouvé? T'as trouvé, Séraphin? Oui, je suis le produit à vitres. Et le chiffon. Et je frotte. Je suis l'objet qui permet de balayer les saletés qui sont sur le sol. Je suis le balai. Bravo. Quel objet nous n'avons pas cherché? T'as trouvé, Séraphin? Eh bien, nous n'avons pas utilisé la brosse. La brosse peut être utilisée pour plein de choses pour le ménage. On peut frotter par terre, on peut frotter des objets. Ça dépend du niveau de la saleté. Voilà. Vous pouvez encore jouer avec vos parents. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi les aider à faire le ménage à la maison. Maintenant que vous connaissez les objets. À bientôt !